Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour la distribution de Ndogo organisée par l'association Help Yourself. L'association Help Yourself est une association qui existe depuis un peu plus de exactement 10 ans. Nous œuvrons dans le social et notre activité phare reste quand même la distribution de Ndogo qu'on fait tous les vendredis du mois de Ramadan. Par rapport à la collecte de fonds, il faut savoir que l'association Help Yourself est une association assez particulière parce que vraiment c'est une association qui a comme philosophie le don de soi. Donc la plupart des fonds qu'on lève, c'est vrai qu'on a des dons extérieurs, mais la plupart des fonds qu'on lève, ça fait, c'est des cotisations des membres dans un groupe WhatsApp avec un tableau Excel. C'est le fameux Sasso dont les membres savent. C'est ça qui fait la levée des fonds en général. Mais on est toujours ouvert à des dons extérieurs et on a souvent des dons spontanés de nos parents, de nos amis, de collègues et de frères. Mais pour le moment, on n'a jamais travaillé avec des entreprises, on n'a jamais sollicité des politiques ou quoi que ce soit pour lever nos fonds. C'est vraiment, on part sur du fonds propre et Alhamdoulilah, depuis 10 ans, on y arrive et on rend grâce à Dieu. Bon, Help Yourself compte à peu près plus d'une centaine de membres, hein, de membres actifs. Après des sympathisants, il y en a des centaines et des centaines encore. Mais dans le bureau, je pense qu'il y a une petite centaine de membres vraiment. Mais on ne fonctionne pas comme les organisations de manière générale. On a une organisation assez particulière. Donc tout le monde est membre à part entière de Help Yourself. On a un bureau depuis 3 ans maintenant, depuis qu'il a fallu formaliser pour avoir des papiers et tout. Depuis 3 ans, on a fait une assemblée générale, on a un président, un secrétaire général, comme toutes les associations. Et puis on a quelques membres qui font partie du bureau, dans la cellule communication, la logistique et tout. Voilà, donc on est organisé à peu près comme ça, comme toutes les organisations de manière générale. Mais dans le fonctionnement, on intègre vraiment tout le monde est membre de Help Yourself. Bon, là nous avons un événement qu'on organise là pour la charité. On veut aider les familles nécessiteuses en leur offrant des kits de denrées de première nécessité pour la charité. On sait tous que pendant la charité, tout le monde, c'est des regroupements en famille, tout le monde a besoin de denrées alimentaires. Donc on essaie de cibler les familles nécessiteuses pour leur donner des kits alimentaires. C'est la quatrième année que nous faisons ça. Et cette année, on a un objectif d'aider 150 familles, Inch'Allah. Mais sinon, cette année, on doit fêter nos 10 ans. On veut organiser un dîner de charité qu'on est en train de voir et d'élaborer comment on va organiser ça. Mais c'est vraiment mettre l'accent sur les 10 années d'activité que Help Yourself fait. Et on compte communiquer sur ça très bientôt, Inch'Allah. Help Yourself, Help Yourself, man, man, et puis, je pense que ça fait 3 ans, voilà, je pense que c'est dans le monde. Je suis juste partagé, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, Bonjour, je m'appelle Fabie Bagnard. Bon, je fais partie de l'association Help Yourself. Depuis 4 ans, on est là en train de distribuer, comme d'habitude, chaque vendredi, 5 000 Ndogo. Mais l'activité ne s'arrête pas là.
en dehors des mois de Ramadan, on fait aussi des activités dans les pouponnières, comme dans les prisons, ainsi de suite. Et dans les prisons comme dans les pouponnières, d'habitude, pour le fond et tout, on se cotise entre nous. Bien, certains qui veulent vraiment aider, c'est-à-dire des dons venant de l'extérieur, venant des amis, des proches et tout. Mais la majeure partie de la somme que nous trouvons, c'est des cotisations en fond. Certains réunions qu'on fait, des cotisations par mois, ainsi de suite. Et comme on le dit, entre nous, ça saute. Chacun se dit, bon, je vais faire une telle somme, pour essayer de trouver cette somme-là, à travers des amis, des collaborateurs, ainsi de suite. Merci. Bonsoir ou salam alaikum à tout le monde. Moi c'est Assou Kamara, je suis la présidente de Help for Ladies. Vraiment c'est un plaisir et c'est quelque chose qui nous a vraiment vraiment manqué. Ces deux ans là, c'est comme nous on distribuait, mais c'est comme si on ne distribuait pas. Mais alhamdoulilah, biyal defenu kay defat et j'espère qu'on va le faire dès que de bossu ñu doom dikot inchallah. Merci à tout le monde et bon dogo. Merci. Ok, alors là la distribution va être finie. C'est ma première fois avec Herb sur scène. C'était trop bien, riche en émotions, ça m'a fait trop plaisir. On est vraiment une équipe et pourtant on ne se connaît pas du tout. Et ouais, je sens qu'on a fait quelque chose qui a grandement fait avancer, donc ça me fait chaud au cœur. Donc c'est la première fois, franchement c'était super bien organisé, j'avais un petit peu peur de ça, etc. On a vraiment su être logique et on a pu donner à tout le monde, qu'importe qui passait, il avait son pain, son café, son ouest, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment super et je suis contente de faire partie de la team, c'est qu'un début. Même hier là, c'est pas mal. Bon, franchement, c'est ma première fois, hein. Mais c'est une belle expérience. Franchement, c'est une très belle expérience. Je me dis d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Je ne l'ai pas fait quand même. Et je vais continuer de le faire, Inch'Allah. Merci.
Tim Tiaf. Tim Tiaf. Tim Imatiu. Tim Tiaf. Tim Imatiu. Le capitaine Baini. Capitaine Baini. Maklason. Maklason. Thank you.